Bonjour, en ce magnifique dimanche de septembre, où nous nous retrouvons sur le très beau bassin de la Marouleuse de Magny-le-Hongre, les voiliers ont commencé à sortir avec les maquettes. Nous sommes côté maquette et pas offshore. Et petit clin d'œil à mon ami Fabrice, j'ai ressorti ma vaporeuse qui, comme vous le voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous le montrer. Alors, petite marche arrière, tout d'une main, hein, est équipé d'un cristal 3,5, d'un ensemble Anton 3,5. Le sifflet d'époque, il n'est pas grandiose, mais c'est pas grave. Donc je vais remettre un petit peu de vapeur. Je fais tout d'une main, alors c'est pas évident de piloter un bébé qui demande à la fois de la direction. Bon, allez, on va reculer encore un petit peu, que je vous remonte la machine. Alors la vapeur est superbe par ce beau temps. Bon, peut-être que je vais le faire en marche arrière, après tout, hein. Au moins, c'est un sifflet qui n'agacera pas ceux qui ne l'aiment pas. Allez, petite marche avant, tranquille. Je vais ralentir après. Donc, je fais déjà mon demi-tour pour passer au pied du ponton. Donc, c'est une vidéo dédiée à mon ami Fabrice. Ta machine marche formidablement, même si avec le peu de temps que je l'utilise, elle me fait quelques petites fuites. J'espère que vous voyez la machine en gros plan. Coulisse de Stephenson. Allez, marche arrière, on va essayer de faire une petite marche arrière. Regardez la vapeur, parce que là, en ce moment, il fait beau. Je vais essayer de vous remontrer la machine de plus près. Donc, comme vous le voyez, elle fonctionne très bien dans les deux sens. Marche avant. Mais je voudrais vous la filmer tout doucement. Voilà, j'espère que vous la voyez là. Viens vers moi. Donc j'espère que vous voyez les coulisses et la machine qui marche gentiment. Très peu de vapeur. Voilà. Voilà. Bah, désolé les amis pour ceux qui auraient rêvé d'un cristal. Le bébé n'existe plus. Notre ami Fabrice navigue vers d'autres horizons. Allez, fond la caisse. Vous connaissez mon plaisir de voir cette vaporeuse. Alors j'ai réglé le... comme d'habitude. Alors c'est un très très vieux régulateur simple membrane de chez Anton, donc il fonctionne parfaitement, mais bon, il a un petit peu séché au niveau des joints, ça fait des choses bizarres, quelques gouttes, mais en tout cas ça fonctionne. J'ai de la vapeur autant que je veux, j'entends le régulateur réguler. Allez, je ralentis. Enfin, j'aille dans l'autre sens pour naviguer en même temps que ma vapeur. Tiens, on va essayer ce petit exercice amusant. Quand le temps, comme ici, à l'instant, ah bah mince, alors je sais pas où est le vent parce que j'arrive pas à regarder. La vapeur va toujours vers l'arrière alors que je tourne en rond. Donc normalement, je devrais naviguer avec ma vapeur à un moment donné ou à un autre. Voilà, là je suis à peu près droit. Voilà. Allez, un dernier petit. Les amis.